Bon, allez, la bagarre. Pitch Fox. Comment ça, dit-on? Regardez-moi cette image, là. Putain, j'aurais dû prendre les lunettes de Spot Dogecoin. La DGSI qui surveille attentivement. T'as vu ça? Tu veux commenter? Hop là, on devrait toujours m'entendre. J'ai le micro. Bon. Pitch Fox. Je vais être accompagné du 2FE. Bonjour. 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 Que dire sur ce match-up qu'on voit là? Ouais. Voilà. Voilà, les deux ont... Il y a Tap. Fox, il fait Atta, Toria, Up Smash. L'autre fait... Tiu, tiu. Et yeah, yeah. Elle fait ses coups avec les taux dans sa robe qui ont des lames de rasoir. Elle peut faire ses stick bas, j'ai entendu dire. Ouais, le comme Seba, ça, le Seba est fort, ouais. Oh, le ventilo sur la robe avec les couteaux. Elle fait gaginké. Oh. Bruh. Bruh. Oh putain. Vraiment une boucherie cette partie. Hein. Le petit éléphant dans son stand qui regarde ça, l'air innocent là. Oh non, il en a vu des trucs. Hein. Regarde comme il a les yeux injectés de sang. Il a le contour des yeux tout rouge. Attends, il voit du. Il, oh, voit, il voit des Don Smash en boucle. Hein. Ça me rendrait fou. Hein. Ouais, il suffit de passer. Il suffit de shield. Forehead. C'est très simple, il faut shield. Mmh. Puis bah, après, après tu vois Vidage Grab. Ça sent mauvais, ça, ouais. Oh, mmh. Oh non, 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 non. Il a fait la Kirby, ça, c'est la Kirby. C'est quoi cette stitch parfaitement horizontale, enfin, parfaitement verticale. Ah, dommage, il a pas réussi à la frapper. Oh, oh, le swoop. Ah, dommage, ouais, Kirby qui a... Attention, le ping-pong. Dommage, ah non. Les qui passe pas. Oh, ça tue. Mais Fox, c'est vraiment scandaleux. Hein. Faut ban ce perso. Il est pas mauvais. Il avait genre 20%, il est mort dans la terre. Il avait pas 20%. Bon, 21, ok. Bah voilà, c'est trop. Ah, puis c'est Yoshi's aussi, c'est un peu le problème du... C'est scandaleux. Non mais franchement... De cette map. Moi je serais Jean là, tu vois, j'aurais honte de moi. Genre je baisserais les yeux, je serais en mode... J'ai gagné. Oh là, j'adore la lune derrière là. Ah, c'est joli. Il a cuisiné. Stem Proud, you cooked. Il a fait la tambouille. On est sur une fontaine des cœurs hivers. Sans la réflexion. Oh, tristement. Joli, joli, joli. Il y a encore une chance pour Kirby là, un mix-up. Oh. Les gens qui. Jean 6-9. Oh, il avait prévu. Il avait prévu. Il a SD cancel en se mettant pile à la hauteur. Un backer, allez, nouvelle occasion. Ça me terrifie pile sur ce terrain. Tranquille, il suffit de pas se prendre les Don't Smash, PTDR. Don't get it. Don't get it, en somme. Oh là, Soft Smash. En vrai, tant que les plateformes sont trop hautes pour que tu puisses te les prendre en étant un coup de pied, c'est ok. Tu peux genre, garder ce qui se passe et pas trop se les prendre. Par contre, quand elles sont basses et que t'es obligé de le bouffer, là, c'est dur. Là, c'est pain. Personnellement, je cours. Je dégage. Pourtant, c'est la map des Funny Upsit avec Chic, mais non. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux être encore plus chiant, et d'ailleurs elle peut pas te... Pas qu'en pitch, non. Elle peut pas te downsmash. Non, elle peut pas, quand t'as commencé à les faire, elle peut pas te faire un downsmash au bout. Le risk-reward vaut pas le coup. Ouais, ça fait 36%. Ouais. Tu mets 6% et en échange tu risques 80, c'est pas... Trade-over. Ça ne vaut pas le coup. Ouais,
Ouais, mais si elle est 1% où tu peux comboter après avec, avec un fer ou un fer, en vrai, ça vaut peut-être le coup. Ouais, mais si elle down smash, c'est, même si elle loupe son truc, ça veut dire. En fait, tu le fais pas en initiative, tu attends qu'elle ait down smash et là, boum. Asher, take one more. Ouh, le nerf. Il a tout couvert, c'était un plaid géant. Pourtant, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, ouais. Il fait chaud, mais il y a des averses. Putain, quand je vois des piches qui sont pas Jordan, je me rends compte qu'il y a d'autres coups que down smash, ça fait. Ah, il dort avec lui. Il aime bien. Non, il a raison, hein. Ça marche. Ça marche, y'a pas de raison d'arrêter. J'ai rien dit du coup. Après, ouais, c'est une fois que ça va pour 100, t'as envie d'avoir le knockdown. Peut-être que là, avoir un grab. Là, si c'est en mode mini FD, peut-être que ça vaut le coup de choper un grab. La tunnel vision sur le fait d'avoir un counter hit. Oh, c'est tellement stylé ce texte. Oh là là! Il s'est fait amener doucement vers la blast zone. Hop, allez, après vous, monsieur. Il s'est pris tous les coups qu'il emmenait vers la gauche, c'était assez perturbant. Non, tu sais pas faire reverse par un coup. Oh. Oh là ça là, sent mais... mauvais ça. Non, mais pourquoi lui il le pegagink pas? Pourquoi il pegagink pas, Jean? Ouais, franchement, contre Pegalika ou mon Fox, il serait 100%, 1000% du temps. Il je prédis un up throw upper. Navet. Je prédis rien du tout. Non, j'ai rien prédit. Ah, voilà, ça c'est du Pegalika. C'est ça qu'on veut voir. Ah, j'ai payé mes billets pour ce match. Je suis dans la fosse. Je veux voir du spectacle. Regarde, tu peux le voir en pixelisé là. Oh, stylé. Voilà. Jean va bientôt être sustenté. C'est peut-être un nerf là pour Kirby. Oh, fesse. Reverse. Comment ça, reverse? C'est vraiment débile le sample. Enfin, genre, d'où ça reverse là? Petit wave shine sur cette map. Ouais. Il y a la place, hein. Tellement une excellente map pour Fox. Là, je me rends compte, il commence sur Yoshi, c'est intéressant. À part FD, il y a quoi comme mauvaise. Enfin, encore FD, c'est que dans un match-up, mais il y a quoi comme mauvaise map pour Fox? Dans ce match-up? Dans ce match-up, je dirais. Peut-être FD, du coup, mais c'est bah, Dreamland, mais. Ouais, mais après, c'est un peu à double tranchant contre Fox qui sait bien être bien chiant avec les plateformes. C'est dur pour Peach, parce qu'elle a pas de vitesse. Ah, c'est vrai qu'il y a des bons confirmes dans tous les cas. Mais bon, c'est pas trop le style de Jean, du coup, hop, ça finira. Il aime bien faire les spot dodge aériens, Jean. Spot dodge aérien. C'est full hop double saut. Tu full hop et tu spot dodge en l'air. C'est vraiment ça. Hein. C'est genre, ah je vais être là, spot dodge aérien et je te contre-attaque avec un coup en descendant. Ah putain, c'est pas con, ok. Dans le mix-up, soit tu full hop, soit tu fais semblant de full hop, tu spot dodge en l'air et tu retombes avec un coup pour finir le. Mais attends, tu spot dodge en l'air, tu veux dire air dodge? Non, le double saut de Fox, c'est un spot dodge en l'air. Mais comment ça? Non, mais c'est pas littéralement un spot dodge en l'air, mais. Si je parce que. Dans l'idée, c'est un spot dodge en l'air. Parce qu'il est trop rapide. C'est. Bah, tu bait, tu fais semblant d'être là, puis. Ah non, je suis pas là et je peux te contrer si t'as essayé d'attaquer cet endroit, quoi. C'est exactement comme un spot dodge. C'est terrible. Il a des outils, ce perso. Ouais. Contrairement. C'est en gros. Le gars sur le serveur Samus qui fait des analyses pour les jeux de joueurs, il avait dit ça un moment, je sais pas, il a tellement raison, c'est tellement un spot dodge en l'air. Il y a des Fox qui font que jouer comme ça, quand tu les vois jouer, ils font genre full hop, double saut, je me casse, full hop, double saut. Et genre dès que tu essayes d'interagir avec le full hop, tu te fais contrer par le coup de Fox qui descend après le double saut. Et genre, ouais, mix-up de temps en temps avec. Ah bah, en fait, je fais vraiment un full-up avec full drift, nair ou drill. Et bah là, si t'attendais le double saut, tu pouvais se monter. Parce qu'il est tellement safe. Donc, je pense que c'est de la forte en drift. Je veux dire, t'as pas de mobilité aérienne ou quoi. Et puis elle lock sa. Un peu locker sa hauteur quoi, mais pas. Ouais. Pas autre chose, donc oui, ça doit rester. Il faut aller vers le haut quand même à cause de son double saut. Avant de faire un upbeat des enfers, mais. Il a tenté la 3 paire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Gambitch? Non,
plupart des pourcents ça existe. Alors, peut-être certains pourcents très précis, par là, 1000% par là, peut-être que tu peux... Mais à bas pourcents ça existe clairement pas, tu prends juste un mètre comme ça, c'est arrivé. Je pense qu'il aurait pu le faire... Oh, what? Oh, la fraude. C'est scandaleux. Alors refaire des enfers, oh non. Ah, si j'étais à la place de Jean, je prendrais un grand croc dans mon brave. C'est du mid-set eating. Si j'étais à la place de Kirby, je prendrais une bonne gorgée de bière. Pitch le perso d'arnaque. Oui, c'est tout le perso. Non. Si, non, si, non, si. Non. Si. Je pense que dans ce match-up, tu te fais beaucoup plus arnaquer en tant que pitch que le Fox arnaque. À part peut-être très très bonne. Bah, c'est ma take. Mais après, pour moi, Fox c'est un gros perso d'arnaqueur. C'est genre vraiment le gros, le douilleur ultime du jeu. Pour moi, c'est Luigi, mais. Non, Luigi, il a rien, il a aucun outil. De la nerf. Fox, il peut tout faire. Il a même pas à réfléchir pour gagner. C'est bien appuyé sur les boutons, c'est bon. Ça part en trouille. Hein. 98%. Là, il a réfléchi. Là. Là, c'était, un c'était vraiment un ballon. Tu flottes d'air à côté de moi. Bah non, arrête. Et printer sa paire, mais là, deuxième, je crois que c'est pas Jean qui fait bien. Ouais, mais il reste pas trop proche de Peach, il sait que le Kirby. Oh, il y avait. Il y a des jolis drills, hein. S'il y avait eu un Peach après ce. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Oh là là. Vraiment très très fort. Il s'est réveillé, il s'est rappelé ce qu'il faut faire dans ce match-up. Oh, et le comeback mécanique qui ne passe pas. Il joue plus vite que tout à l'heure aussi, j'ai l'impression. Alors il est juste plus confiant. Plus confiant, il a gagné en fait. Il a le momentum. Il a pris une grande inspiration, un grand pro dans son wrap. Mais c'est les calories, ça. C'est les calories du wrap qui sont directement dans son tech skill. Je pense que les fibres apportées par cette petite feuille de salade. déjà, la feuille de salade l'a rafraîchie, je pense. T'as les sucres rapides et les sucres lents, les sucres rapides de la sauce. C'est un fin mélange de sucre. Les sucres lents du pain. Ça fait des sucres moyenne vitesse, moyenne. ça vole bien. Oh, bien, le spacing était immaculé. Incroyable spacing de la part de Kirby, franchement. Dommage. Tente le shorten pour pas se prendre un navet dans la gueule. Du coup, les navets, c'est des sucres rapides. Bonne question, je sais pas s'il y a beaucoup de sucre dans un navet en fait. Là, c'est des bonnes fibres. Faudrait analyser ça. Enfin, il fait... Des fois, Jean il fait peur, genre il short up ou full up et il tombe avec un fer. C'est tellement une bonne option. C'est un truc auquel tu ne t'attends pas dans la situation. Mais 5 il l'ouvre. Et là, super up smash qui est trouvé sur un low float de Kirby. Que Kirby fasse gaffe à ses low float parce que low float très par des up smash, je trouve. Il y a un up smash à 0% là. Oh, les fesses qui passent pas. Il y a les fesses trop hautes. Il n'y a pas fait assez de squat, mais un down smash. Pourquoi ça a l'air facile d'edge guard Fox avec Peach? Bon, après, c'est un mix-up. Tu dois read ce que Fox va faire. Mais si t'as la bonne read, c'est bim. Si Fox arrive à passer. Outre ton coup, tu peux littéralement plus rien faire pour l'empêcher de reprendre le terrain parce que t'es trop lent avec Peach. Oh! Ouh. Oh my god! À 69%. À 69%, ouais. Nice! Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est la flow chart qui est plutôt simple. Hein. Après, je joue pas Peach, hein, je pense quand même que c'est pas. En tout cas, quand le Fox est en bas, j'ai l'impression que Down Smash, y'a. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire autre chose. Si Wall Ride. Techniquement, je pense qu'il peut l'éviter avec un angle parfait, mais sinon il peut tech en fait. Mais le truc du down smash, c'est que ça t'envoie vers l'intérieur, du coup c'est le tech garanti. Ah! Et du coup, tu peux tech, on l'a vu tout à l'heure, il a fait tech side B, il a pris le ledge avant que Kirby puisse. Effectivement. Je pense que tu peux tech wall jump back air pour contrer, pour virer la pitch, elle a 100% aussi.
Bah c'est pour ça que je joue pas Fox. Sinon tu peux tech wall jump, faire un B et après t'as une super bonne situation parce que tu peux aller en diagonale pour prendre le ledge ou alors revenir sur le side. Oui, puis même juste le side B. Le side B, ouais. Après side B c'est un peu dans le problème. En général, dans ce genre de situation, je pense que si tu t'es fait tech par Fox avec Peach, tu vas direct mettre un coup sur place pour empêcher le side B. Bah, oui, mais ça t'ouvre des options quoi, oui. Dans tous les cas. Mais clairement, oui, t'as pas le temps de tout couper. C'est pour ça que quand tu vois genre à haut niveau ce match-up, tu vois rarement les pitchs dans le smash à l'aide. Parce que en fait, si le Fox est assez chaud en tech, tu ouvres un layer de mix-up après. Je me réalisais un truc, je joue contre le perdant de 7. Je me suis fait éliminer par Jordan. Ouais. J'ai pas envie de jouer pitch. Une beau bombe. Wow. La fusée. Up smash. Ariane 5. C'est un avion de chasse. C'est l'inverse des éjects de Smash 4 où c'est vraiment une fusée au début. Beau cul. Bonheur. Ça remonte ça. Oh non, dommage, le cul était mauvais. Oh Boku. Les Alpol Boku. Oh là là, s'envoie dans cette direction. Et ce Fox qui refuse de mourir. Voilà, 160%. Bah et Kirby a dû bosser, hein, putain. Il a fait des heures sup pour tuer ce Fox. Et c'est tendu, hein, ça se cherche. Jean qui joue bien de loin. Plutôt défensif, plutôt mobile. Kirby qui se... Oh, oh, quoi mec. Mais c'est une poutre ou pas? T'imagines que si Jean avait shield ici, Kirby serait mort. Ce serait fou, non? Oh putain, Samus. Ça, c'est la Samus, ça. Donc, ouais, c'est quoi la Samus? Tu te prends un Dance Smash et ça t'envoie juste par-dessus avec une trajectoire horrible. On dirait un fer de chic inversé. C'est trop bien, hein. Je sais pas pourquoi tu te plains. Oh, joli follow-up, joli up smash, joli Toria. Je pense que c'est bien parti pour me faire un bon smash. Non, il a fait une pega. Jean qui préfère sacrifier ses stocks maintenant pour avoir son buff pendant les deux dernières stocks, c'est un choix stratégique. Je salue le choix. Donc là, on va jouer contre Buff 6-9. Il a son install. Son tech skill qui est boosté de 30%. Sa vitesse aussi. Et les sucres qui montent dans l'organisme aussi, faut pas les oublier. En plus, Buff sucre lent. Oh. Oh. Et aller chercher le nerf très loin. Aïe, est-ce qu'on va voir une victoire de Kirby Vert ou est-ce que Jean va réussir à clutch cette game? Est-ce que Mips va se faire shine up smash ou est-ce qu'il va se faire down smash? Je préfère le shine up smash. Je sais pas. Laissez-moi tech chase par pitié. Pitch est plus facile, t'as même pas besoin de tech chase. Tu fais down trop faire et voilà, elle est morte. Quand j'en vais le placer. À 0%, tac, téléporté dans la base. Encore ce down smash. Oh, beau match. GG's. Bien joué, belle beat. Du coup, moi j'ai joué tout de suite, je pense. C'est bon, on va mieux les couleurs maintenant. Beaucoup et belle beat. Bon, allez, moi je joue contre Link 6-9 du coup.